vous savez, il existe un centre du monde, il existe un nombril du monde. Il y a un petit cercle de même pas 10 à 15 miles de circonférence où vous avez Millet, où Thalès invente la géométrie, où vous avez Samos, où Pythagore invente l'arithmétique, et où vous avez sur le littoral en face Éphèse, où Héraclite invente, enfin collabore à inventer la physique. Dans un tout petit cercle, vous voyez, de très peu de rayons. D'ailleurs, à une petite distance à côté, il y a Patmos, où Saint Jean l'évangéliste dit au commencement est le Verbe. Alors vous avez là, dans un petit espace extraordinairement fertile, plusieurs sens du logos, quoi, le logos arithmétique, le logos naturel, le logos géométrique, comme s'il y avait là une espèce de trou d'où a jailli ce chemin qu'on ne pouvait plus jamais manquer. Un chemin que nous avons suivi sur 5471 km jusqu'aux îles du Cap-Vert. À l'instar de la Grèce, nous sommes le Cap-Vert, nous sommes, on pourrait dire, les enfants de la pauvreté. C'est cette pauvreté qui nous a donné cette force spirituelle dominée par la nécessité, par le besoin de survivre et qui a maintenu ce complexe de vitalité qui domine l'histoire du Cap-Vert. Si ce n'était pas cette force animique donnée par la pauvreté, par conséquent la nécessité et le besoin de survivre, je crois que le Cap-Vert ne serait pas une image de ce qu'il est maintenant, et une image indirecte de la Grécité, par conséquent. Au mur de Balthazar Lopes, les photos du séminaire de Saint-Nicolas, quand le Cap-Vert était une colonie portugaise. Le séminaire de Saint-Nicolas a été fondé en 866. Il a été supprimé un demi-siècle après, c'est-à-dire en 1916. Pendant ces 10 siècles, on peut dire que la vie officielle et la vie privée du Cap-Vert a été fondée sur la formation donnée par le séminaire. Logiquement, c'était les Portugais, peuple latin, qui étaient les héritiers de la Grèce. Pour avoir repris à leur compte, avec Amilcar Cabral, l'idée de liberté, les Cap-Verdiens aujourd'hui revendiquent l'héritage. Je crois que j'étais un bon professeur, et un professeur qui s'intéressait aux élèves. Les élèves étaient mes camarades. Et je m'asseyais à côté d'eux. Nous parlions, nous étions comme bon frère. Et cet humanisme qui dérivait, qui découlait de ma façon personnelle d'être et ma façon d'enseigner, d'être professeur, je crois que cet humanisme a infiltré cette génération à laquelle appartenait Amilcar Cabral. Et c'est dans ce sens que je me crois responsable pour son humanisme. Le métier de professeur est basé sur ce qu'on appelle l'heuristique. C'est la question, la réponse. Le mot logos, qui signifie indissolublement langage et pensée, est passé dans nos mots logique, dialogue, dialectique, logistique et même dans le mot logiciel. Θα έλεγα, χωρίς να γίνουμε σχολαστικοί, να ξεκινήσουμε τουλάχιστον από τις ρίζες αυτής της λέξης. Έχω την εντύπωση ότι το ρήμα λέγω, στην ομηρική τουλάχιστον παράδοση, σημαίνει συγκεντρώνω. Δομώ. Και επιλέγω. Λοιπόν, νομίζω ότι καταρχήν αυτό που σήμερα τουλάχιστον εμείς λέμε δομή, βρίσκεται στη ρίζα αυτής της λέξης. Είναι μια ιδομημένη αντίληψη για τον κόσμο. Και σε τελευταία ανάλυση είναι μια ανταπόκριση σε έναν κόσμο. Λόγος. Παιδεία. Κόσμος. Ψυχή. Μικρό. Χρόνος. Μουσική. Πολιτικό. Πόλεμος.
Χάος. Εδώ πάλι πρέπει να θυμηθούμε κάποιες λεπτές διακρίσεις. Ο λόγος της προσοκρατικής σκέψης δεν είναι ένας λόγος ο οποίος προσεγγίζει το νου ακόμα. Αυτό το κάνει ο Πλάτων, το μεγάλο του κατόρθωμα. Ο λόγος της προσοκρατικής σκέψης είναι μια μεταφυσική ερμηνεία του κόσμου. Ο Ηράκλητος. Βεβαίως, όλη η προσοκρατική. Δεν προσεγγίζει το νου. Όχι, δεν έχουμε, ακόμη, δεν έχουμε ακόμη ένα συγκροτημένο λόγο, δηλαδή δεν έχουμε ακόμη ένα σύστημα έννοιων και δεν έχουμε βέβαια διαλεκτική. Η διαλεκτική είναι το μεγάλο κατόρθωμα του Πλάτωνα. Νομίζω εισθέσατε ένα από τα βασίτερα προβλήματα σχετικά με το λόγο. Τις περιπέτειες αυτού του περίφημου λόγου, ο οποίος ξεκινάει από το Αιγαίο, πανάθεμά του, όπου μπορεί να θεωρηθεί σαν το επίκεντρο ακριβώς του ελληνικού πολιτισμού. Το Άγιον Ποτήριον. Δεν ξέρω αν είναι το Άγιον Ποτήριον, το Πικρόν Ποτήριον είναι. Το Πικρόν είναι σίγουρα, αλλά πάντως είναι το σημείο που αποτελεί το επίκεντρο του πολιτισμού. Και πέρασε σε ολόκληρο τον Μεσαίωνα, τον ελληνικό Μεσαίωνα και το δυτικό Μεσαίωνα. Οι περιπέτειες αυτού του λόγου ίσως είναι από τα πιο διδακτικά πράγματα που μπορεί κανείς να δει στην παγκόσμια ιστορία, στην γενική ιστορία. Μην ξεχνάμε ότι ήδη στον ελληνισμό, μέσα στον ελληνισμό, από την ελληνιστικούς χρόνους και πέρα, ο λόγος αυτός, ο εκλογικευμένος λόγος, αν μπορείσει κανείς να εκφραστεί έτσι, αρχίζει κάπως, αν όχι να υποχωρεί, τουλάχιστον να θολώνεται και να δέχεται, ναι, να έχετε υπέρλογα στοιχεία. Σε τέτοιο σημείο, όπου σχετικά με το λόγο του Πλάτωνα, να είναι σχεδόν να γίνεται αγνώριστο. Si la littérature est le langage, et alors la langue que nous utilisons aujourd'hui est stratifiée par cinq langages différents. Il y a le grec archaïque, celui d'Homère. Il y a le grec de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Il y a le grec byzantin, comme on dit, c'est-à-dire des pères des églises orthodoxes. Ensuite, il y a le grec puriste, qu'on dit katharevousa, que c'était le grec qu'on étudiait dans les universités après la chute de Constantinople, parce que tout se rassemble sur cette fameuse chute de Constantinople. Et que finalement, il y a le grec qui n'était pas enseigné, qui était parlé dans le pays, même sous l'occupation ottomane, turque, mais qui n'était pas ce qu'on apprenait à l'université. Alors, quand l'État grec se repropose au monde, autant qu'autonome, c'est-à-dire en 1830, après 450 années d'occupation ottomane, et on se pose le problème, quelle langue sera celle qu'on va utiliser pour parler ? Et on a le choix à travers ces cinq langues parce qu'il y avait les nostalgiques de l'Antiquité qui disaient que nous sommes les descendants directs d'eux. Il y avait ceux qui s'étaient instruits, les Grecs de la diaspora, un mot grec aussi, qui étaient rentrés de l'étranger pour aider le nouvel État se construire. Et il y avait ceux qui parlaient cette langue sans interruption et qui n'étaient pas celles que les autres parlaient. Alors, on est arrivé à un compromis. Et le compromis qui a duré 100 années. Ce compromis, c'était que dans les écoles, on apprenait une langue qui était plus celle des universitaires, qu'on l'appelait katharevousa, et dans la maison, dans la vie, on parlait l'autre langue, que c'était celle qu'on utilisait les gens. Et ça a conduit à une sorte de schizophrénie nationale, que d'ailleurs on trouve encore ces résultats, même si ce problème du langage est aboli, parce que des mots de base, des mots qui forment un jeune individu, un enfant, comme le mot « eau », comme le mot « pain », qu'il y a deux noms pour ces choses, une à l'école « eau », par exemple, « idor », hydro, hydraulique, que vous dites « idor », « eau », et « nero », à la maison. Et quand un jeune enfant veut dire à sa mère « donne-moi un verre d'eau » et il ne sait pas laquelle des deux mots choisir parce que l'un est celui qu'on lui apprend à l'école et l'autre celui qu'il utilise, et comme psomi aussi, pain,
que c'est artos, artoclasie comme on dit en église, et psomie que c'est le mot quotidien du pain, alors ça, ça conduit, si tu veux, à une schizophrénie nationale. Oui, moi ça me plaît assez, oui, cette idée de schizophrénie, oui. C'est pas faux peut-être, mais quelle richesse. Moi je veux dire, c'est... Pour moi, je pense que c'est une énorme richesse que la langue démotique soit mélangée. C'est vrai que c'est une situation bizarre. Mais par après, y compris d'ailleurs en ce qui concerne après la curiosité sur l'étymologie des choses et des mots, on se dit que c'est un bagage merveilleux. C'est avoir trois langues presque, parce que il y a effectivement la langue populaire, la démotique, il y avait Cathareus qui était la langue savante, et puis il y avait la langue archaïsante qui était aussi... Il y a eu des mots simples, presque quotidiens des Grecs, mais qui baignaient dans une aura métaphysique, qui se sont trouvés chargés d'une signification accrue. Parce que les mots pour les Grecs n'étaient pas des ustensiles. Aujourd'hui, on parle du langage comme mode d'expression ou mode de communication. S'il me fallait très brièvement définir ce que sont les mots des Grecs, je dirais que ce sont des mots qui font parler les choses. Par exemple, nous avons le mot téléphone que vous utilisez aussi et que tout le monde utilise plus ou moins. Téléphone, ça veut dire quoi? Phonie, c'est la voix. Télé, c'est loin. Tile, le télescope. Encore le télescope. Et nous ne construisons pas dans notre pays des téléphones. On les importe tout des États-Unis avant, avec AT&T, quand il y avait instauré aussi le colonel, et à travers la compagnie téléphonique, elle introduisait aussi la CIA, ou maintenant que nous sommes plus démocratiques, on les apporte du marché commun. Mais de construction de téléphone, on n'a pas. Alors, tu comprends comment ça se sent un écrivain qui est un peu conscient, si tu veux, que les mots sont des signes, des choses, et non pas les prendre les mots pour eux-mêmes comme une valeur. Quand j'entends des mots grecs dans la langue française, je me sens très fière, très privilégiée, parce que je me dis, moi, je sais d'où ça vient, ce mot, et puis je sais de quoi il est composé. Surtout, je suis très contente parce que ça me le fait redécouvrir. Puisque nous, on ne peut plus entendre la musique de notre propre langue maternelle. Donc là, c'est comme s'il me revenait un peu méconnaissable, un peu maquillé, un peu différent, comme quelqu'un qu'on aurait laissé enfant, et puis qu'on retrouve un peu plus loin, adolescent, etc., un peu modifié, puisque les Français, quand même, les ont un peu modifiés. Il y a une espèce de sentiment d'attendrissement, de fierté, d'amusement, de me dire « Ah tiens, j'avais oublié qu'effectivement ce mot, c'est ça, plus ça, et que... » En grec, littérature, ça veut dire logotechnia. Logotechnia. Logos, c'est la parole. Techni, c'est technique. Ça, c'est a été aboli par la civilisation, si tu veux, du Moyen-Âge. Ou même avant, c'est-à-dire on a adopté le mot littérature. Par contre, le mot technologie, que c'est juste la juxtaposition de ce mot au lieu de logotechnie, technologie, c'est-à-dire, ça, vous l'avez adopté et vous avez fait votre mot de passe, technologie, vous dites. Et pourquoi vous n'avez pas adopté le mot logotechnie, que c'est le mot de la littérature? Et en disant que, en retournant sur le problème de l'écrivain grec, que écrivain aussi c'est un mot ou auteur que c'est prise de la tradition latine et pas le mot syngraphé, est-ce que c'est pour nous le mot pour écrivain, parce que vous avez gardé seulement graphologie, de graphe, écrire, dans la photographie vous avez l'écriture avec la lumière, vous avez gardé le graphisme, mais pas au nom, au sens de l'écrivain, de l'écriture. Ça aussi, c'est intéressant. Parce que graphéas, c'est le scribe. Et que syngraphéas, c'est celui qui écrit avec. Co-écrivain. En grec, ce n'existe pas le mot écrivain. Il existe co-auteur. Alors, qui est l'autre avec lequel on écrit? C'était toujours, à mon avis, l'autre. Le fameux autre. Le
fameux autre sartrien, autre heideggerien, l'autre. Je suis cratilien, c'est-à-dire, comme tout le monde qui essaie de chanter un peu, d'écrire, je reviens à ce dialogue de Platon, vous le connaissez si bien, le cratil, où en effet l'homme raisonnable dit, comme Saussure, comme la linguistique moderne, les mots c'est arbitraire, le mot cheval n'a pas quatre pattes, très bien. Et cratil de répondre, attention, c'est pas tout à fait certain, il y a entre les mots et les objets des affinités, des sympathies primordiales et mystérieuses. Chaque poète est cratilien, sera toujours du côté de cratil. Et je crois qu'il y a dans la langue grecque, il y avait des possibilités d'interrogation abstraites qui se sont développées mystérieusement et très, très tôt. Ce questionnement de l'être, ce questionnement de ce que c'est que l'homme, de la physis, de l'énergie, de la nature, des relations entre le temps et le cosmos, semble avoir été rendu possible très tôt par, oui, une syntaxe de l'interrogation. The education that one receives in the humanities, in certainly Western Europe and in the United States, is by and large that founded by the Sophists and continued by Socrates. It's the education in thinking, arguing, you know, whether orally or now usually in the writing of papers, the digesting of material and arguing intelligently about subject matter that quite often is incapable of proof one way or the other. And one's skill in argumentation, one's demonstrated ability to outshine, again, other students or other members of your company, you know, in writing reports, in surveying material, is what gets you ahead in life. And the humanistic education, in its sort of negative dimensions, insofar as it is providing a service to corporate America, if you like, is training people to do those kinds of things, in just the same way that Socrates' education, or the education of Protagoras and Gorgias in the late 5th century, was training people to be good citizens, successful citizens, to be better than their peers. The enormous problem in the United States, and probably in Western Europe as a whole, is that you do not have, when you leave the university with this body of knowledge, these techniques of argumentation, of thinking, this mental flexibility, if you like, and perhaps heightened moral awareness, if you're lucky, there is nothing for you to do with it. There's no community to which you feel you belong, which you can then go and work for, at least for many of us. That is the problem. That's why perhaps some of us decide to go back into the university again and look at it some more and stay insulated that way. But it still seems to me that that kind of an educational tradition is one that is specifically Greek in foundation and something that we shouldn't neglect. Aristote dira que l'animal humain est un animal qui lutte avec une arme qui lui est spécifique, et c'est la parole. Et donc, on entre dans cet univers où la dialectique, ceux qui peuvent s'entendre entre eux, ne doivent pas se battre, mais doivent se parler, avec tous les pièges. Tous les pièges, effectivement, de la persuasion, du discours, de la relation de force qu'il y a dans le discours, effectivement. Un modèle socratique. E întotdeauna un dialog între două persoane care nu sunt egale. Unul este cel care, who has the knowledge, one of them has the knowledge and tries to transmit it in various ways. So one is the leader and the other one is the pupil, or if you want, the analyzant. Parce que c'est vrai que Socrate oppose tout le temps la manière sophistique de discuter, qui est justement une façon de faire de l'escrime, d'une certaine façon, pour gagner indépendamment de la vérité. Mais en fait, c'est vrai que Socrate aussi utilise tous les moyens, d'une certaine façon. Et quand il s'agit d'obtenir l'acquiescement, l'accord de l'autre, le consentement, on voit bien que Socrate parle de ça en termes de reddition, en termes de mise à l'épreuve, d'examen, de jugement. Écoutez, vous savez que dans le dialogue, dans ce mécanisme de questions-réponses, il y a encore accord. Et quand il y a encore accord, il y a lutte. C'est-à-dire que la recherche de la vérité, même si elle n'est pas peut-être pensable en termes de pure technique rhétorique, se sert de toute une série de procédés qui présupposent une très importante dissymétrie entre les interlocuteurs et qui présuppose qu'à la fin,
Le personnage qui a subi l'interrogatoire de Socrate est complètement vidé, en effet, et a subi quelque chose qui est sûrement pour son bien. Et il s'en réjouit, il remercie Socrate. Mais en même temps, il est parfaitement détruit. Ça a dû être un emmerdeur cosmique, c'est-à-dire un homme insupportable dans une ville. Ça a dû être le principe même du malaise intérieur. Un homme qui, au coin de rue, arrête le ductus de la pensée quotidienne en disant « mettez-vous à réfléchir », c'est atroce, c'est très très difficile à supporter. Je ne sais pas qui disait qu'il est victorieux comme une brute. Je crois que j'ai aimé Socrate comme une brute, dans son ensemble. Quel programme ça ferait si nous pouvions montrer les tableaux, les symphonies, les romans, les pièces, où, durant tout le 19e siècle, on pose la question Socrate ou le Christ. Quelle des deux morts est la plus grande mort? Quelle des deux morts a vraiment marqué de son empreinte l'âme même de l'Occident? Vous le savez, Hegel a scandalisé son siècle en disant dans un cours public, après tout, le Christ, de savoir qu'il serait à la droite du Père, après 3 ou 4 heures, fort désagréable. Socrate n'en sait absolument rien, et le courage de Socrate, c'est une mort d'un courage moral et Antigone encore plus grand. Mais alors cette comparaison a en effet scindé, marqué, flétri peut-être l'imagination de l'Occident. La mort de Socrate est-elle une mort religieuse? C'est, je crois, une question infiniment difficile. Je ne saurais y répondre avec confiance. Est-ce aussi une mort esthétique? Une œuvre d'art, cette mort? Les dialogues platoniciens en font une grande œuvre d'art, nous le savons. C'est un scénario. C'est la mort du pur, c'est la mort de la pensée absolue. C'est comme si, mettons, au milieu d'une affaire Dreyfus, le monsieur Teste de Valérie avait été fusillé et place la Concorde. Jeu de pistes dans les rues d'Athènes, où les noms de rues sont les poteaux indicateurs des aventures du langage. Mais il y a un itinéraire qui nous ramène plus loin en arrière, vers un monde qui a encore le choix de son langage, ou qui tend vers l'extrême du langage, là où il touche ce qu'aucun langage ne peut vraiment exprimer, et qui est la musique. Que le destin du logos soit d'aboutir à la logomachie, à la bataille des discours, que la musique au contraire puise en elle-même son renouvellement et sa purification, voilà, pour employer encore un mot grec, une hypothèse. Nous oublions souvent que vous et moi, on est beaucoup plus près de Homère qu'Homère l'était de ses sources. Le monde de M. Proust, Valéry, Shakespeare et Homère, c'est le nôtre. C'est le monde de l'édition. C'est le monde du texte, c'est le monde de la critique, c'est, vous le savez très bien, le monde du pédagogue qui enseigne un texte, qui fait apprendre par cœur, qui le commente. C'est pas là qu'il y a eu les grands jets de génie, quasiment inimaginables. C'est avant l'écriture, c'est dans le domaine de ce qui est irrécusablement le premier pas, le balbutiement, l'hystérie, l'angoisse, les premiers cris, le cri de Pan, qui, lui aussi, résonne à travers toute la pensée mythologique grecque. La musique peut être avant la parole. Un mythe sur lequel on se penche, je crois, avec obsession, celui de Marsyas et d'Apollon, les luttes autour de la musique et de l'instrument. Orphée dont les membres arrachés, nous dit Ovide, la bouche continue à chanter, longtemps après la mort du corps. Ce n'est même pas la tête, c'est une bouche pure. Et quand je pense que nous sommes à une époque qui, à la fois, revient totalement au mythe grec, mais qui semble dire, est-ce que nous aussi, nous sommes devant un certain crépuscule de la possibilité narrative, Samuel Beckett, une grosse bouche, rien d'autre en scène, qui crie et qui pleure vers vous, ce qui est le motif même de la mort d'Orphée il y a 5, 6, 7 000 ans, avant Homère. Thank you.